ça va aujourd'hui? Ici Endo pour ce nouvel épisode d'un décaféiné et on se retrouve une nouvelle fois sur l'Abyronia. Il faut que je vous parle de ma passion pour les RPG. Oui, bon bah ça va faire la... je sais pas combien de fois que je vous le dis maintenant, j'adore les RPG. Voilà, c'est mon petit plaisir à moi. Alors, juste un tout petit détail avant. Je vais baisser le son du jeu parce qu'il est très très fort dans mes oreilles. Hop là. J'espère que vous, le son, c'est tout bon. Salut Jack. J'espère que le son est nickel pour vous, que c'est pas trop fort, qu'on m'entend bien surtout. Cette fois-ci, je m'ai fait la boulette. Le micro est allumé. Je me suis pas gouré. Et si tout le monde est ok, ben on va repartir pour ce nouvel épisode de... qui va s'avérer un peu... La musique est trop forte, oui. Ah. Et bah écoute, pas un problème ça. Tac. Est-ce que c'est mieux? Dites-moi tout. Tac. Il faudrait pas que ça vous casse les oreilles quand même. Ça serait dommage. Ah, j'ai entendu un pipoup pipoup. Qu'est-ce que j'ai raté? Zut. Ah, Jackie va sound. Merci, Jack. Je pense que c'est mieux, oui. Merci. Et bah, c'est parti. Let's go. Donc, nous sommes à la porte du désert, du coup. Et on va pouvoir se lancer. Alors, juste avant de commencer... Ah bah, attends. Non, là, c'est pas la bonne scène. Hop là. On était ici, à la porte du désert. Normalement, ça devrait être mieux. Là, tu me fais un test... test alert, test play, Jack. Tac, tac. Que je sache. Alors, voyons voir. Quelles étaient nos ressources? Pas grand chose en ressources. Ah, voilà, on voit bien. Ah, d'accord. Ça le met sur deux endroits. Ça le met en plein dans son visage et sur. Bon, au moins on le voit bien sur. Sur l'écran, donc c'est bon. C'est pas grave si ça apparaît son visage aussi en même temps. Du coup, je disais, mes ressources sont un peu limitées. Là, j'ai qu'une seule eau magique, j'ai pas beaucoup de nourriture. Je pense qu'il est temps de retourner un petit peu en arrière pour faire le plein de stock. Allez, go. On va retourner par là. La ville la plus proche, ça doit être... Oh, ça va être loin, la ville la plus proche, je crois. Non, il y en avait une qui était pas si loin. Faut juste faire un petit bout de chemin vers le sud. C'est un peu pensé, il me semble que j'ai ce qu'il faut pour améliorer ma... La pioche, donc on va peut-être pas faire un petit tour sur, par Genise finalement. Bonjour. Ouais, c'est aussi bien que je pensais. Toi, tu es sensible à l'eau, si je me rappelle bien. Tac. On va tout de suite regarder ce que j'ai. On est 10, ça va pile poil. Du coup, hop, on va aller à Genise pour améliorer cette pioche pour qu'elle puisse casser les cailloux bleus maintenant. Comme celui qu'on voit juste là d'ailleurs. Hop.
des chauves-souris. Trouver une saucisse. Alors du coup Genise, l'avantage c'est que si on va à Genise, on pourra tout faire à la fois les boutiques et améliorer la pioche. Hop. Un python, hop, on n'en parle plus. Allez, on se retrouve à Genise. Et on va tout aller voir le nain. Hop. Oui, on améliore. Pioche plus. Je suis un bon forgeron, mais mon frère est encore mieux que moi. Meilleur que moi, pardon. Donc si jamais tu visites le paradis du voyageur, non le port du, le havre du voyageur pardon, transmets-lui mes amitiés, il sera sûrement à même de te faire des outils plus forts, plus résistants. Donc ça veut dire que ça sert à rien d'aller voir lui. Si jamais je veux avoir une pioche encore meilleure. Les items c'était à gauche. Ici. On va prendre ça déjà. Oups, c'est pas autant. Voilà. Bye. Et on va passer par le labyrinthe de glace. Parce qu'il y avait, il me semble, des cailloux bleus à casser dans le passage secret.
Oh mince. Ouf. J'ai cru que j'allais tomber. Hop là. Ah bah non, il y en avait un, mais en plus c'est un violet, pas du tout un bleu. Puis là, je ne pouvais pas passer par là. Tant pis. On va sauvegarder. Hop, et direction le désert maintenant. Niveau 17. Je pensais pas tomber niveau 17 contre des créatures aussi faibles. Un orc. C'est là que ça ne passe absolument aucun effet leurs attaques. Étrange. Hop. Ah d'accord, je vois, j'ai vu ce qu'il y avait derrière le rocher, j'espère que ce sera pour moi. C'est un sort normalement. Hop là. Ah, c'est pas pour lui. Tant pis. Au moins, la voie est dégagée. Ah zut. Si je marque comme ça, c'est vraiment de la mort débile. Hein. Ah ouf. Quand même. Allez. Il faudra retenir dans cette mine, il y a deux sorts.
Allez, c'est parti pour le désert. Donc ces charmants gars m'avaient d'abord repoussé en me disant bah non, faut avoir un cachet pour si tu veux passer, que c'est trop dangereux. Alors, le désert des illusions ne peut pas être entré par... ne peut pas être pénétré pour le moment, malheureusement. Tu vas avoir besoin d'un cachet pour créer par l'un des quatre dieux élémentaires si tu veux prouver ta bonne foi. Voici le cachet de Windir. Est-ce que ce truc est réel? Donc tu es le héros que nous recherchons depuis tant, tout ce temps. Que ton voyage soit, se passe du mieux qu'il puisse. Allez. Voilà. Alors, donc le désert c'est un enfer, crois-moi. Lui qu'est-ce qu'il dit? Il fait plutôt chaud là-dedans, mais ça devient pire quand tu arrives vraiment à l'entrée du désert. Tu vas peut-être commencer à voir des choses. Bonne chance dans le désert. Donc là, on va rentrer dans le désert, mais c'est pas... Ah. La première partie n'est pas dangereuse. Faut mal quand même. Je me rappelle où ça a changé. C'était pas du tout comme ça dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'il a de beau à nous dire? Alors, quel est cet endroit? Ok. Ah, donc vous trouvez les bonnes pierres à briser. Alors, quand il parle des pierres, il parle des colonnes comme ça? Ou vraiment des cailloux classicaux? Genre par exemple au hasard celui-là, parce que après là on peut monter. Je peux pas monter. Pourquoi je peux pas monter? Il y avait un truc. Bon, oh, tant pis. Si tu veux obtenir le sortilège stone du coup, ou pierre. Tu as trouvé la tombe de la reine des elfes. Donc quelque chose me dit qu'elle est par là du coup. Ah, un scorpion qui a pas l'air très gentil d'ailleurs. Ah, c'est plus efficace. Ah, le poison. Ah, je suis ouvert. Ah ok, ça s'est retiré. J'ai eu peur. Ah, c'est celle-là. Faire des vagues.
Voilà. Alors, on va aller vers le nord, on va voir ce qu'il y a vers le sud. S'il n'y a pas un autre truc. Non, bon, allez. Direction le nord. Hop. Que je me soigne. Et que je prenne de l'eau magique. Et on reprend. Encore un que je peux pas utiliser, et puis ça je peux pas le casser de toute façon, donc. Quel était l'intérêt d'avoir mis une pierre violette dedans, devant cette chose, alors qu'on aurait pu passer par le tour? Hop. Hop, la sauvegarde. Et maintenant, le désert. Ah voilà, j'ai un timer. Ah, il faut que je dise, quand je lis, ça s'explique quand même. Hello there, if you are about to cross the desert, you need a lot of water. Here, take a look. Ah, ok. Il donne de l'eau. On va prendre 4. Ah bah, encore une autre. Et là... Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Eh, y a rien de gratuit dans ce monde, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut payer 150 si je veux avoir le droit de regarder la carte. Oui, on va payer. Ok, alors. Je vais tricher. Enfin, je vais tricher. Je vais vite fait réécrire ce qu'il y a dessus. Donc, en haut à gauche, on a l'auberge. À droite, on a le Desert Care. Donc, c'est le dispensaire. On a la vallée verte au nord-est. En plein milieu, on a le clown. On a le hot quiz. Tout petit peu en dessous de l'auberge. On a l'aire de jeu de la fée. Ici. Fairy, je vais juste mettre Fairy. Ensuite, on a le bateau tout au sud. Et les croix, ce sont des cues. Donc, il y en a 3 dans le désert. Donc, il y en a une là et une au sud-ouest, au sud-est. Et nous, on est tout au sud-ouest, du coup. Donc, si je recapépète.
Si je vais plein est, je me retrouve au bateau. Si je vais légèrement au nord-est, je tombe sur deux Q. On va commencer par aller voir les Q. Donc nord-est. Go. On va sauvegarder aussi quand même. Ça me paraît évident. J'espère que c'est pas trop. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'en est un ça? Non, mais ça peut-être que oui. Il y a un truc à faire là-dedans. Non. J'aime pas qu'on ait des éléments comme ça parce que pour trouver le passage, parfois faut faire tout le tour. Là vous voyez je suis trop au nord et là je suis trop à l'ouest et ça me dévie complètement de là où je voulais aller. Ah bah complètement là. Attends, il y a un truc là. Ça se casse ça? Non. Voilà. Ah, il y en a un autre là. Oh, une épée. Ah oui. Ah oui, pas mal. Alors attends, si je fais... Ah oui, bah, on va optimiser, hein. Très bien. Moi, je veux l'autre trésor. Si tu n'arrives pas à trouver l'entrée... Tiens. Quelle est cette chose? Ça, pourquoi je peux pas monter à ça? Je vois qu'il y a des petites marches, mais je peux pas les utiliser. Ah, c'est encore plus loin. Faut que je fasse gaffe à autant, surtout. 2,50. Super. Tiens, il y a un truc là. Bon, ne nous dispersons pas, restons sur un seul, une seule chose de la fois, on repassera par là au pire plus tard. Où est l'entrée ? Ah, c'est dingue ça, il y a où l'échelle? Ah. Là c'est sûr, il y a un Q, c'est sûr. Mais tant que j'arrive pas à accéder à la colline, ça sert à rien de le...
de le voir en fait. Ah bah si. Spark Pillar. J'ai appris l'âme enchantée. Oui, on va voir ce que ça fait. Alors le tour s'est arrêté. Nickel. C'est où? Ah ok. Donc du coup là, ma lame devient... c'est un peu comme mon arme d'avant, mais qui était... naturellement électrisante, on va dire, et du coup ça va la rendre ça rendra mon équipement, enfin mon arme électrisante pendant 5 tours. On n'a toujours pas trouvé l'escalier. Qu'est-ce que ça va être en fait de remonter tout ça? Attention au temps surtout. 40 secondes. Allez, on va prendre de l'eau. Item. Voilà. C'est reparti pour 5 minutes. Bah. Mais dites pas qu'on a fait le tour hein, quand même. On aurait raté. On l'a raté? Pas possible. C'est pas là, hein. Ça passe pas là. J'ai tourné à gauche ici après. C'était quoi de ça? Peut-être que l'entrée était peut-être juste là. À droite. Que je me suis mis à suivre l'autre côté du coup. D'accord, on est au bas du truc. Alors, je retiens. Continuer à suivre le truc. Tiens, bonjour. La fée, donc du coup je sais où je suis là. Je suis au milieu ouest à peu près. Can you get to my sister? Est-ce que tu peux rejoindre ma soeur? Si jamais tu restes. Si tu remets, tu te coinces. Et viens me le dire et je rangerai le jeu. Et bah c'est parti. Ok, en fait, faut... Sa sœur, elle est là-haut. Et ça, c'est quoi? Ah oui, mais bon. Moi, je peux plus bien l'argent de ta sœur, mais... D'accord, c'est bon, j'ai compris. Faire du roulé-boulé avec la, le caillou. Tac, on va faire le tour. Thank you.
temps défile vite quand même. Ça fait déjà 3 minutes. Hop. Et hop. Switch. Tu servais à quoi toi en fait? Bon, on ne le saura jamais. Salut! Je suppose que tu as déjà rencontré ma sœur, on est ravi de te rencontrer. Donne-lui le phéromone. Oh! D'accord, tout de suite. Donc, le gardien lui a dit de donner le phéromone. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai entendu aussi, et du coup, la fée répond. Je suis une féerie, on entend toutes sortes de choses reliées aux éléments. Et leur force directrice. J'aime le gardien, tiens donc, le voici. Je reçois les phéromones de scorpion. Va à un endroit qui s'appelle la Vallée Verte, dans ce désert Arès. J'ai regardé dans ton futur, ton destin t'attend à cet endroit. Oui, oui, va jouer avec les scorpions. Faites ça chez vous, allez jouer avec les scorpions. Non, ne faites pas ça chez vous, jouez pas avec les scorpions. Ce sont des êtres sensibles. Donc on continue de suivre notre petite colline. Et attention au temps. Allez. Item. On est reparti pour 5 minutes. Jusqu'à ce qu'on trouve une échelle. De toute façon, on va bien voir. Hein, au bout d'un moment, je refais le tour complet. Et si j'ai rien trouvé, c'est qu'il n'y en a pas. Non, bonjour, monsieur. Est-ce que ce serait pas une fractale des fois? Tu sais. Ok, cool ta vie. Moi ce que je veux, c'est l'échelle. Je crois que je retourne. Ouais. Ah la vache. J'ai fait tout le temps pour rien. Oh non. Excuse-moi. Bon bah c'est pas grave, on va essayer de trouver une solution. Aïe aïe aïe. Y'a rien autour de ça là. Là-dedans aussi. Bon, je sais où je dois aller, hein. Je dois aller à la Vallée Verte, mais je sais grosso modo où aller, elle est au nord-est, côté du dispensaire. Je sais où il est, mais moi je ne sais pas où je suis exactement. Thank you.
Bonjour. What? Est-ce que t'as vu ça? Un chimpanzé poilu avec un cou de girafe. Je crois que c'est après, c'en a après moi. Je pense que tu vois des visions parce que tu n'étais pas assez hydraté. Ce rocher me paraissait bizarre, je pensais vraiment que j'aurais pu le casser. Que je trouve un truc parce que là je vais consommer toutes mes réserves. Comme je ne suis pas capable de trouver mon chemin, j'ai décidé de faire des cercles. Est-ce que tu veux te joindre à la fête? Non, je te laisse faire tes ronds tout seul. Oh, un squelette! Que c'est charmant! Un pilier. Bonjour. Ah, c'est l'auberge. Bienvenue à l'auberge, héros. Est-ce que... Oui. Ah, ça recharge mon... Ok, donc je suis à l'auberge, donc si je vais plus bas, j'ai le hot quiz. Et bah, allons un peu plus bas. Donc légèrement... Comme ça, normalement. C'est beau. À gauche, peut-être que je suis allé trop loin encore une fois. Ah, il est là. Gagner de fabuleux prix. C'est ce qu'on va voir. Il fait toujours si chaud, super. Bienvenue au Hot Quiz. Le problème c'est que... j'espère que ça va pas prendre trop de temps. You can win fabulous prizes for here. There's three questions in three rounds. Donc il y a trois questions pour chaque round. Enfin non, il y a une question pour chaque round, je crois. But if you fail to answer correctly to just one question, the game ends for you permanently. Ah d'accord. Donc si je me plante, c'est foutu. So you wanna participate to round one? Qu'est-ce qu'on participe pour round one? Oui, bien sûr que oui. Première question. What's the name of the snowy land in Western Labyrinthia? C'est Alatar. Donc la région neigeuse. Correct. Number two. What was the favorite thing in the Imperial Fog before the capital fell? C'était slavery. C'était fin de l'esclavage. Correct, super. Quel est le nom du dirigeable créé par Glimtar? C'est Artemis. On a passé le niveau 1. Ah, on a récupéré un anneau, très bien. Ah, il n'a pas encore choisi les questions de la... derrière du round 2, donc... Eh bien, si je sors et que je re-rentre, cette fameuse technique, je saurai. Bon, qu'il est? Mais...
Noah. Ah, je suis à nulle part. Je suis nulle part, super. J'adore. C'est vrai que... C'est pas un endroit qu'on fréquente souvent, ça, nulle part. Bah, j'espère que je suis pas trop loin de tout. Tiens, encore un squelette. Toujours aussi charmant. Encore un monsieur. Alors, le seigneur Pyro, c'est le sauveur de ce monde. Il va nous purger. Il va purger ce monde avec le feu. Oui. Quelle bonne idée. Je ne peux pas, je ne peux pas passer par là, évidemment. Par là, je peux. Il faut faire tout le tour. Je veux trouver plus de sorts. À qui le dis-tu? Oh, je commence à me perdre là. Hein. Sérieusement, me perdre. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, je sais où je suis. Green Valley. Il y a un énorme scorpion là-bas. Oh. Il m'a piqué. Quelque chose ne va pas, ma tête se sent bizarre, j'ai été empoisonné par ce scorpion. C'est pour mourir. Super, la voix du gardien qui me dit d'aller volontairement me faire piquer par un scorpion. Donc ils ont finalement relâché Arès. Arès le contre-sort. Qu'est-il arrivé à la radiance? Il fait si sombre dans cet endroit. Hey! J'ai vu que tu bouges tes paupières, donc tu dois être réveillé. Lève-toi et brille, monsieur. Oh, elle a pris cher aussi, hein. Bonjour monsieur, est-ce que vous sentez mieux? Que vous avez de la chance que j'étais dans cette région en train de collecter les ingrédients. C'est aussi le dispensaire du désert, bienvenue. Tu as été piqué par Pintail, du coup un scorpion mortel. Bah, heureusement j'avais tous les antidotes sur moi. Merci de m'avoir sauvé. My limbs feel kind of numb. Limbs, ça doit être les lombaires, je crois. Donc un peu engourdi. C'est l'effet secondaire du poison. Tu vas devoir te rester allongé pour quelques jours. J'en ai bien peur. Tu n'es pas en état de marcher. Et damne, pas de damnation ici, monsieur. Tiens, prends un peu de jus de cactus. J'ai inventé cette recette moi-même. Ça a des qualités de soin.
Je dois l'admettre, j'ai bu bien pire. Ah, c'est supposé être un compliment. Ça avoue que c'est pas le meilleur des compliments pour dire que quelque chose est bon. C'en était l'intention en tout cas. Ah mince, ça commence à me faire mal maintenant, à peu près partout. No pain, no gain. C'est sûr. Donc c'est supposé fonctionner comme ça. Super. C'est ce qu'on dit, hein, les meilleurs médicaments sont les plus horribles. De plus... non. Maintenant que nous devons partager notre temps dans ce petit espace, ensemble pour les prochains jours. Est-ce que voudrais-tu bien me dire ton nom? Moi je suis Anne. Bonjour Anne. Et Arès du coup. Arès. Est-ce que ça ne se traduirait pas par War dans notre langage? Ah bon? J'en ai aucune idée. C'est le langage des mages de Mysteria. Tu en as déjà entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Tu es un homme mystérieux, Arès. Et tu as de si beaux yeux violets. C'est vrai que c'est pas courant, violet, quand même. Je n'ai jamais vu de comme ça. T'es pas le type de... type bavard, visiblement. J'ai vécu si longtemps. Et ben, ça fera deux avec moi. Du coup, ils ont tous les deux vécu pendant très longtemps seuls. I wish you'd find someone to be with, Arès. J'espère que tu trouveras quelqu'un pour ne pas te sentir seul du coup. Tu as de très jolis yeux aussi, Anne. Ils sont verts comme les champs de ma ferme. Je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Non, ça va, y a pas de problème. Si tu me sens bien. Maintenant, repose-toi, Arès. Tu dois dormir. Je te reverrai plus tard dans la matinée. Je te prépare un déjeuner. Très délicieux. Très bien. Anne. Petite musique. J'ai ressenti quelque chose quand je t'ai vu. De l'affection? Ah, c'est ridicule. On se connaît à peine. Et puis... quand tu m'as regardé dans mes yeux et que tu as dit mon nom... j'ai ressenti une chaleur en moi. Ça m'ennuie. Je n'ai rien senti de tel depuis si longtemps. Ça me rappelle quelque chose de chaud et d'aimant. Qui avait l'habitude de membres. Ah! J'ai plus le mot. Beaucoup de traductions là quand même. Est-ce que c'était ma mère ou mon père? Tout ce dont je me rappelle, c'est une lumière vive. La radiance. Une radiance, pardon. Nous étions liés, connectés. Anne. Je crois que je t'apprécie beaucoup, mais je suis désolé. Si j'arrive à me débrouiller à faire les choses correctement, je reviendrai un jour, peut-être. Peut-être devrais-je partir maintenant, je peux marcher. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je ferai si je le revois un jour. Je pourrais abandonner la mission. Ah ok, carrément. Je vais juste sortir en douce pendant qu'elle est en train de dormir.
tir de feu. Bon bah je pense qu'on en a fini avec le désert, ça veut dire. Par les dieux. Qu'est-ce qui me prend? Tout ce que je veux, c'est revenir en arrière et la tenir dans mes bras. Je dois l'oublier et me concentrer sur la mission. C'est important, n'est-ce pas? Oui. Allez, on va couper, hein. Hot bubble, des bulles chaudes. Et ben, on va les refroidir. Ah. Sur des montagnes maintenant. Je suppose que je ne peux toujours pas monter, voilà. Il doit me manquer un objet, je pense. Là, ça me fait penser à une un anneau. Ah, ça a peut-être de la confusion. Je perds de l'agilité, mais je gagne de la tac magique. Vas-y. Go, go, go. Truc. À gauche. Il y a un caillou. Je me méfie de tous les cailloux maintenant. Des fois qu'il y a un caillou qui est caché. Et là, il y a une échelle. Et une grotte. Pas vraiment le choix, je suis obligé de passer par là. Et d'affronter le méchant monstre. Oui, j'ai assez. D'accord. Quelle est cette créature hideuse? Ah super, ça va protéger la confusion. J'ai même fait de prendre cet anneau. Ah ok, il va exploser bientôt. Bah non, en fait, tu meurs. J'ai une corde, j'ai un truc partout par terre. Non, c'est rien. Bon, et bah, on monte la corde. Alors, soit j'ai une autre corde par là. Qu'est-ce que j'ai à droite? Une araignée. J'aime pas les araignées. Contre-attaque. Oh. Enchanté, on va voir si c'est efficace contre lui. Ça l'est. Au revoir. Tac. Alors qu'est-ce qu'on avait sur la droite? Eh bah ben, rien du tout. Quelle surprise. Alors avant de monter, on va voir ce qu'on a sur la gauche. Encore un monstre, avant de passer au monstre.
Mince, oh là là. On a épuisé deux d'un coup. Tiens, il y a une corde par là. Aéroclock. Peut-être la cape qui te protège du... Ah non, par contre, non. J'ai dit que je veux ça. Ah, c'est un accessoire. Ah, ok, ça augmente, ça double les attaques. Bah non. On va voir si c'est fort contre lui. L'attaque de base. Pas tant que ça. Oh. Ah mince. Oh oh. Oh. Ouf, je crois qu'il allait exploser. Là, on monte. Oh, c'est une blague. Ah, si. Oui, mais du coup, ça m'a aidé beaucoup. Comment on monte là-haut? Pas le premier que je croise. Je suis sûr que je rate plein de trucs à cause de ça. Là-haut, il n'y a rien. Si, il y a un coffre. Et 2. Ah, il est pas mort. On va 4. Ah, de l'eau magique, c'est toujours utile. De l'eau magique. Alors où est-ce que tu m'emmènes?
Hero 18. Grande ce truc. Ok. Soit je descends, soit je... Ah, ça devrait être le même endroit que ça. D'accord, et si j'ai là... Nulle part, d'accord. Pourquoi remonter plutôt? Le truc, c'est qu'à chaque fois que je rentre et que je sors, les mobs... Les monstres repop. Ah oui, d'accord. Ok, donc non. Donc, attends, si je me souviens bien... Tac. What? Je suis un peu perdu là. Si on s'enfuit. Donc là, du coup, la deuxième. La deuxième, et ça devrait être bon. Là, je descends. La seule que je n'ai pas faite, c'est celle de gauche. Ok. Yes. J'ai eu les mitaines d'escalade, des grandes escalades. Donc normalement, il faut que je retourne en arrière. Arrive. Et on va tout de suite expérimenter nos petits gants d'escalade. En espérant que le Q qui est là-haut est pour moi. Ah. Faut vraiment que je l'équipe. Et ben voilà, je peux pas t'utiliser, super. On va remettre le bon objet. Oh, non, je ne vais pas avoir besoin de mon palanquin.
Allez hop. Du coup, si je me rappelle bien, c'était d'abord par là. Ça, ça bouge pas. Mais non, mais t'es nul en plus, tu m'apprends pas beaucoup d'expérience. Donc c'était d'abord ça. Et là, après, c'était à gauche. La petite chambre de corde. Hop. Monte. Puis là, il y avait. Ah zut. Par là. C'était là. Et voilà, c'est ici. Comme ça qu'on... Oh mince. La confusion. Aïe aïe aïe. Meurs. Ouf, c'est bon. De l'eau magique. Ah, j'ai trouvé un coup. Un kiouf, pardon. Ah, Fire Shield. Donc, bouclier de feu. À quoi il sert ? Augmenter ma défense contre le feu, bien sûr. Ah, ça annule aussi les effets d'aveuglement. Allez, c'est parti. On va être sur la fin des montagnes. Ah. Et piou piou. Alors... Firebird, le oiseau de feu. Ah, il va falloir faire un petit dispel, je pense. Comment c'est... Mince! Ça fait mal un peu quand même. Mal même. Thank you.
macron, la vache. Ah, je m'en doutais bien. Que les attaques de base. Si je fais ça, ça m'aide beaucoup quand même. Ah bah oui. Ça réfléchit sur moi. Ah, cool. Je vais te faire mal. Hop là. On peut plus réfléchir. Tant mieux. Je fais un petit bouclier de feu. Allez, on y est presque. Voilà. Au revoir. Merci d'être passé. Hop là. Caralan. Nous allons aller au pub. Ah, un truc dans notre queue, Golden Shield. On a appris Counter, pas mal ça.
Surtout dire que Nefer le bandit avait fait un accord avec le roi des monstres de feu et a obtenu des pouvoirs surnaturels en récompense. C'est peut-être juste une rumeur, mais... Ok. Ok, ça a blessé Arcon visiblement. Et ça lui a coûté sa possession la plus précieuse. Maintenant, Arcon est déprimé. Je ne suis même pas capable de savoir s'il est capable de se battre en guerre. Ah, ok. La tête. Arcon, qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas que je suis en plein de faire un truc, que je suis au plein milieu de quelque chose là? Ah. Get lost. On a l'auberge là. Bouhou. Ok, on va dormir un peu. De diamants. Non, c'est un casque. Ok, et ben on va le mettre. Là, c'est fermé. Fermé aussi. L'école des combattants est la meilleure façon de s'améliorer à l'expérience des arts martiaux. Ils entraînent aussi les personnels militaires contre le roi des monstres, Pyrrhos. Là-haut, je veux lui parler. Fermé aussi. Et l'armurier, il est fermé aussi. Non, il est ouvert. J'ai eu l'œil. C'est un cube, mais pas pour moi. Voyons voir ce que tu as. Donne de la résistance contre la foudre et la glace. Donc ça c'est pour les gladiateurs, ça correspond au Battle Badge. Pardon. Alors, augmente la défense contre la lumière et l'obscurité. Dragon Glove. D'accord. Lava Suit. Permet de résister à d'extrêmement hautes températures et l'armure de diamant augmente la réflexion magique. C'est bien, ça c'est fort. Coûte cher, mais c'est fort. Allez, on prend. Salamander Helmet. Donc, qu'est-ce qu'on prend du coup? Contre la lumière et la glace. Ou là contre. Non, faudrait que je mette le casque du coup.
Ma sœur vend des armes et je vends des armures. Ok. Trop cher. C'est pour les archers. Ça peut étourdir. Là, c'est juste. Ah, ok. Bonjour. Nous sommes occupés. On va s'entraîner contre. Je dois entraîner mes hommes pour dévoiler au combat contre Pyrrhos et ses armées. D'accord. Fermé aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? The mountain range blocks are access. Ok. Ok. Il faudrait qu'on puisse voler pour atteindre cet endroit. Ça va venir. The monsters don't seem to have problems attacking us. However, ok. Donc en gros, il y a un élément du décor qui les empêche de traverser les montagnes, si j'ai bien compris. En gros, ils n'arrivent pas à traverser les montagnes. Mais l'ennemi, lui, arrive. Ce qui est problématique. Ça, je peux pas en dire. Qu'est-ce qu'il y a plus haut ici? Fermé aussi, donc toutes les portes sont fermées ici. C'est grand Caralan, dis donc. Ah, là c'est ouvert. Oh, mon coffre. Ceinture brillante. Il y a des bandits dans le désert. Mais il ne sait pas où. Très utile, ça dit donc, monsieur. Fermé. Ouvert. Gossip Guy. Est-ce que tu veux entendre quelque chose de juteux? Oui. Eh bien, il se pourrait que mon voisin parle d'un certain lieu à propos de bandits. C'est toujours intéressé. Just get the point, Rytos. The bandits have this camp in the desert. You following? For a minor contribution, I might be able to reveal this location to you. Ben oui, bien sûr, en gros, pour une petite rétribution, peut-être que je peux te dire où se trouvent les fameux bandits. Partir. Combien tu veux? Oh, 500. Vas-y, c'est bon. Oh là là. Les informations, ça coûte cher, mais c'est ce qui puisse. C'est ça la puissance, c'est les informations. Wonderful, my first tip goes like this. Ah, c'est que des indices en plus. Donc là, l'endroit est dans un haut lieu. Un haut lieu en hauteur dans le désert. Ah, mais on l'a croisé en plus. Il y avait plein de tentes. Donc je vois vaguement. Je ne peux pas passer par là.
crois que j'ai fait le tour de la ville. Donc on va retourner à ce qu'il y avait en gros, gros, gros au milieu. Je suis pas sûr d'avoir fait tout ce qu'il y avait en bas. Si, ce bâtiment là c'est fait. On va aller à droite. Tac, 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 tac. C'est le pub. Ok, moi j'ai tout fait. On va sauvegarder et puis on va y aller. Bob. Pardon. Salutations, mon nom est Bob et je suis la personne qui arrange les combats ici. Pour ce moment, nous ne sommes pas actifs. Faut que je fasse quoi alors? Mais si vous êtes pas actif, moi je fais quoi? D'accord, mais bon. Il y a un truc à faire avec lui. Qui c'est qui voulait me parler d'Arkon? C'était où? C'était pas là-dedans. D'accord, on faut qu'on tourne dans le désert. Oh, c'est long à traverser par contre. Faut que je retraverse la caverne de feu, ça veut dire. Il y a un bout quoi. Parce que là, il vient de me dire. Je vais relire ce qu'il a dit. Je suis tellement frustré, j'ai pas vu de. Non. Oui, il n'y a pas eu de combat dans l'arène depuis au moins. Plusieurs semaines, notre champion s'assied juste dans le pub en train de boire. Je suis désolé. Décidément, j'arrête pas de bailler ce soir. Désolé. En train de boire et grommeler. C'est maudit bandit. Qui voulait me parler de Arkon? On va dire non, Minos, non, c'est un Nefer. Minos, donc c'est le leader des bandits, Nefer, Ringing, Anybel, ok. Nefer, ça ne te parle pas du tout. On dit que c'est lui et ses fidèles sont en train de se cacher dans le désert. Grandpa dit qu'il sait où est le camp, mais... Mais il parle de beaucoup de choses farfelues ces derniers temps. Ok, donc faut aller dans le désert récupérer. Je suppose. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au niveau de la falaise, près du désert, il y avait un moment un mur d'escalade. Donc on va sûrement faire ça. Mais faut traverser. Faut retraverser toute la caverne de feu là. Bon, on va sauvegarder ici, puis après go. Hein.
Allez, go, go, go! C'est pas grave. Faut que je fasse le tour. Je pense pas être loin de passer au niveau 19. Ce serait peut-être bien de passer au niveau 19 juste avant le combat contre les voleurs. Encore 1007 quand même. Pas sûr que j'arrive à passer au niveau 19. Allez. Hop. Je dois me rappeler de boire souvent. Oui. Mais où est-ce que je suis là?
Ok. Tant mieux. Je pourrais lui acheter de l'eau. On est 3 actuellement. Je vais reprendre 3. Je vais sauvegarder aussi avant de partir. Parce que je crois que la sauvegarde réinitialise, donc le temps. Oui, donc go. Qu'on avait trouvé plus vers le début. On va suivre. Aux parois que je rate pas. Si jamais vous la voyez que je la rate, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Allez là! Je me demande si. Après, je vais tourner à gauche ici. C'est à partir de là que je l'avais trouvé, je crois. Donc pourquoi il y a ça toujours au début, là, au milieu là? Ce serait bien de nous dire. C'est pas anodin ça. Il y a un truc là. Ah voilà, elle est là. Bien! Bien maintenant que nous sommes là-dessus. Là, il va y avoir un coffre ici. Une saucisse. Rien par là. Et rien par là. Donc faut aller à gauche. Un scorpion. Ça peut être sur un poison. Tant mieux.
Ah, alors en bas ou à gauche? On va commencer par le bas. Ah, il n'y a rien en bas en fait. Donc ce sera à gauche. Deux scorpions. Voilà, je suis un peu donné. Et de 1. Quoi? Je crois qu'il y a eu un bug en vrai. Contre lui, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être efficace? Si le vent. Non, pas trop. Le feu peut-être? Oh, moyen. Bon bah on va essayer le voilà. Même pas. Non mais c'est un humanoïde, donc à mon avis ce qui. Ce qu'il va pas trop aimer, c'est l'attaque de manière générale, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, ça m'a tué, punaise, t'es sûr? Mais attendez, il y avait. Ça veut dire qu'il y avait le chrono pendant le combat? Je l'ai pas vu. Bon, de toute façon. Bon, vu l'heure, on va pas. On va pas recommencer, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déception de mourir comme ça à cause d'un manque d'hydratation. Pensez à vous hydrater, c'est très important. Buvez de l'eau, ce que je vais aller faire tout de suite après avoir coupé ce stream. Et bah voilà, bon bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve ce jeudi, pareil, même heure, 15h-17h à peu près. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, et à rejoindre le Discord, bien sûr, pour la suite du programme. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Il me semble qu'on a du Draken demain soir, peut-être, sur Siberia. Voyons voir qu'est-ce qu'on a de beau. Que je vous dise tout. Si ça veut bien s'ouvrir en même temps, ce serait bien. Il me semble qu'on va aussi avoir Jack sur du Pokémon Diamant étincelant. Dans une nuit, il me semble. Quoi qu'il en soit, le programme est disponible sur nos réseaux sociaux et notamment sur le Discord. Vous pouvez tout retrouver très facilement. Hop. Je vais vous repasser en écran de discussion. Hop là. Tac, et je vais fermer le jeu. Hop, alors. Qu'est-ce que je vous disais? Tac. Et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a demain, du coup, Jake, donc sur He Found, puis Got Offline. Non, Out of Line, pardon. Out of Line, donc Jake dessus, il n'y a pas d'horaire précis. Demain, du coup, après-demain, pardon, jeudi 27 janvier, ça sera avec moi, du coup, donc de 15h à 17h. Et de retour de Jake sur Pokémon Diamant. Vendredi 21h Siberia, du coup, pas d'horaire précis. Et ensuite, on a aussi Jack sur Évasion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, pardon, 21h c'est Draken sur Siberia, du coup. Et enfin,
Peut-être samedi 29 janvier, si jamais il l'aura reçu. Pokémon Légende Arceus, un jeu que j'ai très très envie d'essayer aussi. Je l'ai offert à mon frère pour ce Noël, mais je pense que je vais me l'offrir aussi. Parce qu'il a l'air bien. Sur ce, à tous, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous souhaite le meilleur, la santé surtout en ce moment. Donc je vous dis à tous, faites attention à vous. Des bisous masqués, cordialement. Bisous et à la prochaine.